Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Après avoir passé moult jours en mer à pagayer en marche arrière, nous voici arrivés à la deuxième coordonnée avec Shinai. Salut Shinai. Bonjour. Ah, attendez, je me fais mon café tranquille. Je suis censé mettre un chrono aussi. Attendez, j'arrive. Ah, je suis professionnel, hein. Ne l'oublie jamais. Hein. Je suis un professionnel. Et ceci est ce une bénédiction divine, ne l'oubliez pas. Tu l'as mal vécu. Hein. Ah, carrément, mec. Tu le vis toujours aussi mal. Hein. Bon, pour le moment, je vais pas rejouer, donc je le vivrai après. Ouais, c'est ça, donc tu le vis très mal, quoi. Du coup, tu joues plus, quoi. Est-ce qu'on plongerait pas avec l'arc à la main? Ouais. Parce que les globes, on sait pas où est-ce qu'il y en a. Yes. Le quinquin, c'est bon, il est derrière. Il m'a pourvu. Ça, c'est plutôt cool. Ah, il va me voir là. Là par contre, il va me voir. Voilà, il m'a vu là. T'oublieras pas de prendre l'appel, hein. Ok. Bon, on y est. Oui, petite l'appel. Île, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, moi j'ai évité de faire des tours dans l'eau, hein, parce que c'est pas moi. C'est pas moi le mec qui sait jouer aux jeux vidéo. Hein. Voilà. C'est Shinai et sa chance incroyable qui vont s'occuper de ça. Yeah! Donc voilà. Maintenant je l'ai foutu où? Voilà, ça c'est l'aberration. Voilà, ça vous voyez, c'est une aberration. Moi, avec mon radal tout pété, tout claqué, j'en ai rien à foutre. Hein. Je démonte tout l'acier que j'ai dessus, je répare ce bateau. Je pars avec ce bateau. J'en veux les couilles. Hein. Je mets des voiles dessus. Hein. Pourquoi t'as mis des cordages? On peut même pas sauter à l'eau. Nul. Bah si, c'est juste qu'il faut faire comme dans Pipe Dave, il faut faire sauter et accroupi. Mais ah, t'es nul, okay. Effectivement. Tu as bien résumé la chose, Shinai. Bon, la France bah, a apprécié ton honnêteté. Bon, bah je vais commencer à faire des tours de l'île. Voilà. Les Globes, ils sont où les Globes? Je suis pas sûr qu'il y en ait en fait. Vu que c'est ni la table, mais méfie-toi tout de même. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de ressources dans l'eau, je me demande si. Il doit y avoir énormément de trucs dans le bateau. Bah écoute, c'est parti. Hein. En vrai, pourquoi on peut pas le prendre et le réparer? Par contre, en fait, je crois savoir à quoi sert ta lampe. Ah ouais? Ouais. Tu vois rien? Bah ouf. Bon, bah va falloir que je retourne chercher la mienne. Bah voilà. Ah, j'ai trouvé une note. Vas-y. Oh, j'ai trouvé un pied de biche. Un enregistreur? Biche, gros. Un enregistreur? T'as trouvé un enregistreur? Non, toi t'as trouvé un enregistreur. Hein? Cliquez sur un truc. Ah, j'ai trouvé une pièce mécanique. T'as trouvé ça où? Sur le bord, là, je suis en train de faire le tour de l'île, moi. Ah, intéressant. Ne perds rien. Je pense qu'on va devoir réparer un truc. Bon, note. Notons. Vazagatan, je ne sais pas où nous sommes ni si ce bouchon tiendra. Nous avons essayé de boucher le trou, mais l'eau continue de monter. L'hélice fait un bruit étrange et je pense que Matsi a inondé le moteur. Sain a brûlé les signaux lumineux et Philippe a diffusé de la musique. Aussi à plein volume. Je ne pense pas que l'un d'entre nous comprenne ce qu'ils font. Une fois la nuit tombée, je lancerai ce message à la mer. Peut-être que le courant l'emportera. Qui que vous soyez, retrouvez-nous s'il vous plaît. J'ai dessiné une carte, j'espère que ça vous aidera. Céline. Alors, non seulement vous aviez pas trop l'air de savoir ce que vous faisiez, mais en plus ça, voilà. Ah, je peux utiliser un plaid de biche sur la porte. Bah, j'imagine que c'est pour ça que je. Eh, putain, tu l'utilises sans les mains, mon gars! Hein. Eh, moi je veux mon pied de biche! Porte! T'as fini de faire le compte? Eh! Oh putain, c'est quoi ça? Oh là, c'est Raptor Prépuce ça! C'est la nouvelle bébête! Non! Que. Putain! T'avais pas ta loupiote toi? Nécessite un autre pied de biche, mais. Et ta mère, il a mon pied de biche! Coupe boulon! Non, bah je suis pas allé récupérer ma loupiote en fait. Mais va chercher ta loupiote, on voit que dalle! Ah, okay, tant que je trouve un pied de biche, t'es caté. Hein. Ah, tiens, attends!
Sans, je peux pas aller très vite, faut que je remonte un peu en ville. Ah, il y a une note ici. Ouais, tiens. Il y a un truc pour rétablir le courant aussi. Où ça? Là, où je suis. T'es dans reviens la en salle arrière d'avant dans la là? salle où... Ouais, dans la salle d'avant. Mais Il y ça y est, j'ai a déjà activé le courant. Ah bon? Bah Mais putain, vas-y, j'ai essaye de loupé le là. réactiver. Hein. Non, je peux pas, y a pas le En fait, bouton. ça activait juste la lumière au-dessus de la note pour vraiment les débilus qui auraient raté la note. Va chercher ta loupiote là. Là, on voit que dalle. J'y vais! Oh, où est le bateau? Par contre, il me faut un. Nécessite un coupe-boulon. Ouais, On ben a on ça, n'a nous, hein. pas ça. Tu l'as sur toi le coupe-boulon? Non, je l'ai pas. Moi, j'ai trouvé une pièce mécanique. Le coupe-boulon, il doit être dans le bateau. Je vais t'attendre Putain, un on a deux peu loin. mouettes sur chez nous. J'ai Et pas il pleut, énormément de putain! vie, je vais attendre que tu te ramènes. Ouais, mais on fera des récoltes un autre jour là. Dieu, il pleut! Ouais, C'est je sais. récolte. Merde. C'est des récoltes perdues, ça arrive. Non! En même temps, il faut que je rajoute, faut que je rajoute quand même quelques baquets, histoire qu'on puisse planter plus, parce que sinon on plante pas assez. Eh, hey, tant que t'es au bateau, tu nous ramènerais pas un petit truc à manger, t'as lancé, hein? Parce que je crois qu'on va y passer un petit moment là. Ok. T'as l'air super lent de te ramener là. Bon, je continue l'explo, hein. Non? Nécessite une clé bleue. Je sais pas. Sérieux? Putain. Je vois rien. Non! Bah, dépêche-toi aussi! Pas les clés bleues, les conneries du genre, c'est mort! La bass room, ouvrir. J'ouvre. Pas l'air d'y avoir dehors là-dedans. Mais même pas, il m'attend en fait. Hein. Mais non, mais y'a. Bruce, tu casses les couilles! On est en vidéo, gros. Comment t'es méchant? Mais Bruce, mais casse! Eh mais je vais crever en plus, hein! J'ai Des trouvé une clé gaz! rouge. GG! C'est une clé, elle est rouge. Mais moi, ce qu'il me fallait, c'était une clé bleue. Bah la clé rouge Je ouvrira pour avoir progresse. la clé bleue, la clé bleue ouvrira pour avoir la clé violette ouvrira pour avoir la clé jaune Ah. ouvrira pour la clé jaune, Metal Gear? jaune bonbon. J'ouvre une porte. Grand, je suis sûr, il y a un rat là-dedans. Poète, 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 poète. Rien. Réservoir de gaz. Ah, là-dedans. Oui, je trouvais une note. Qu'est-ce que ça dit? Bathroom. C'est une transcription. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que ce bâtard va probablement survivre. Tiens, nous sommes presque à court de vivres. La moitié de l'équipage a été embarquée sur les canots de sauvetage. Cette poubelle est en train de couler et tu continues à te préoccuper du rat? C'est pas normal, tu sais. Cette bestiole, elle a bouffé la moitié du récipient de mort au rat et est quand même parvenue à emprunter les conduits jusqu'à la cabine de pilotage. L'effet du poison s'est peut-être estompé. Quid de la fois où Olof a tiré dessus? L'impact de la balle était tellement puissant que cette bestiole a fait un saut périlleux. Elle a peut-être fait semblant. Dans ce cas, expliques-tu. Comment expliques-tu qu'il ait survécu? La fois où Carla a plongé dans un seau d'eau. L'a plongé dans un seau d'eau, gros malin. C'était sûrement un autre rat. Il y a un autre rat? Casper, le système de ventilation est en panne et le générateur de secours du réfrigérateur vient de lâcher. La plupart des fils ont été éventrés. Il va donc falloir aller vite. On dirait que nous avons une infestation de rats sur les bras. Mais de grâce, on n'en parle pas à Jens, signé Oscar. PS, nous savons que que tu planques des réserves pour Karine. Parle-en avant que nous ne le fassions à ta place. C'est la meilleure chose à faire. Ok. Bon. Il y a une autre note sur le bureau là. Ah, une note. À première vue, c'était une note audio. C'est dommage, on n'a pas une note audio. Transcription, journal d'approvisionnement, jour, on ne sait pas. On s'en fout, bordel. Les stocks de viande sont presque épuisés et nous devons nous contenter de légumes. Nous en avons encore suffisamment pour un mois, je crois, à condition que notre hôte accepte de rationner davantage. C'est quand même bizarre qu'Olof ait toujours sa grosse panse. Il doit être le dernier sur Terre. Jens, qu'est-ce que tu fous au nom d'un chien?
T'es encore en train de chercher ton rat? Garde tes sales pattes loin de mes réservoirs de gaz, compris? D'accord, je m'en vais. Ne me chie pas me chie pas une pendule. J'ai même pas touché aux réserves de ta copine. Je vais te péter le nez si tu ne si tu te casses pas si tu te casses pas vite fait. Il va falloir renforcer la sécurité ici. J'ai du mal à parler, c'est incroyable. J'ai pas bu assez de café, c'est pour ça. Tiens. Ah merci, c'est fort aimable à vous. Patate. Clé rouge. Tu veux utiliser? Utiliser. Vas-y, va voir s'il y en aura. Ouais, je compte sur toi. Moi je suis solide sur mes appuis, je m'appelle le solide du coupe-boulon, on steak. l'a trouvé. Ah, j'ai trouvé une pièce mécanique aussi. Ok, de la ferraille. 5 pièces mécaniques. Oh, la moult ferraillerie quoi. Excellent. Ah, j'ai trouvé un coupe-boulon. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Oh, what? C'est 5 pièces mécaniques. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire? Ah, oh, c'est un cric, ok. C'est pour faire un cric, et ça c'est pour... Balance tes outils s'il te plaît, tout ce que t'as trouvé. Mais c'est partagé, hein. Je ne les ai pas dans l'inventaire. Ah, c'est en... Okay, c'est en partagé. Ok. Allez, on a trouvé le coupe-boulon. On retourne dans la première salle. Il doit y avoir la clé bleue. Allons-y. Pim, 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 pim. Metal Gear. Pim, 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 ouais. Pim, pim. Je vois que dalle, c'est sûr. Ici, tiens, un... vas-y. Clé bleue. Et clé la bleue note. Et la note. Ok, note. Note. Transcription. C'est arrivé, putain. Il vaudrait mieux. J'ai déjà essayé 3 fois. Capitaine, je suis désolé. Nous devons regarder les choses en face. Votre fièvre n'a pas l'air de baisser. Vous aviez raison. Nous nous sommes lancés dans ce périple avec rien d'autre qu'un garde-manger à moitié vide et aucun médecin. Je ne pense pas que nous allons nous en sortir et je crois qu'Olof le pense aussi. Il se balade nonchalamment sur le navire et garde un œil sur sur l'arme dans le coffre-fort. Je me demande s'il sait qu'on a pris les balles. Quand j'observe les autres perdre espoir et se contenter de la pluie que leur sert Casper, je réalise à quel point nous avions besoin de toi. Je ne suis pas doué avec les mots, mais... Te voilà, sale petit rat Queener, viens ici, espèce de... Et nous n'aurons jamais la fin de cet épisode. Réservoir de gaz, j'ai 2 pièces mécaniques. On a 2 pièces mécaniques, c'est ça? Un réservoir de gaz. Et on cherche l'enregistreur à première vue. Okay. Bah, viens voir, je dois être en haut. Ok, t'as déjà tout ouvert. Wow. Une salle de billard. Viens, on fait un billard, mec. Je remets ce navire d'aplomb, gros. Moi, je veux non, pas mais savoir. Pourquoi on peut pas le prendre? Ok, y'a un... Oh. Y'a un billard, gros. Non, y'a du plastoc, là. Y'a un plastoc, là. Ouais, j'ai pris. Y'a des toutous. Y'a un toutou. Et voir. C'est toutou. Et voir. Y'a le bon toutou. Le bon toutou. Y'a le bon toutou. Bon, alors, où on va? C'est moi qui ai l'élan. Okay. Oh, on peut monter directement au deuxième, deuxième étage. Bon, on va déjà faire l'étage d'abord. Il est pas sauvage. Nous sommes de véritables aventuriers. Nous n'allons jamais tout droit. Bah, là, quelque part, si. On va à l'étage qu'on nous a indiqué. Mais oui, si on était des gens intelligents, on essaierait de monter encore plus haut. Plutôt que d'explorer l'étage. Bah en fait, dans un sens, je voudrais... Oh tiens, il y a une issue de secours. Encore un bar... Mais putain, mais pourquoi on peut pas prendre ce bateau? Il est 10 fois mieux. Mais ouais. Ah, pièce mécanique. Ta-da-ta-ta. C'est poté là, t'es en train de faire tout le contenu tout seul. Excite le mec est tout seul aussi dans son coin. Super balle. Oh, viens voir. Je suis là. Le héros de cette aventure. Where are you, fucking shit? Chambre 2. Et je me dirige vers la chambre 3. Je viens de pénétrer dans la chambre 3. J'entre dans la salle de bain. Je sors de sa salle de bain. Je me dirige vers le coffre. Une carte numérique. J'ai un rat sur moi. Est-ce que t'as une carte numérique? Non, tu l'aurais vu. Quand il fait un soleil de dingue dehors contre... et il fait nuit et brouillard à l'intérieur. Hein. Attends, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, non, carrément pas. Ah, j'ai presque à moitié bouffé le casque déjà. Une autre pièce mécanique. Oh putain, on se dose ici en fait. C'est
Est-ce qu'on peut pas ouvrir les grosses caisses? Tu vois, ce qui est dommage, c'est que tu ramasses la pièce mécanique et ça me le dit pas, tu vois. J'ai pas ramassé la pièce mécanique. Ah, par contre, je vais être full. Hein. Il va falloir commencer à te débrouiller seul. Transporter des choses. Vas-y, balance. Balance. T'es allé par où, ma grosse? Là-bas, au fond. Non, that ass. Ici, et t'as une bouteille qui est assez chelou. Ouais, j'ai récupéré une bouteille. Ah non, c'était une balle. Balle. Une note. Elle était énorme la cartouche. Hein. Ou alors s'ils avaient planqué la cartouche dans une bouteille. Transcription. Ouais. Je m'appelle Olof Wilkstrom. Storm, excusez-moi. Ou non, Wilkstrom, c'est bien ça. Quiconque écoute ce message, voici ma dernière volonté et mon testament. Je reconnais avoir pris la fuite, abandonnant mes électeurs et le projet de reformation. Le monde aurait peut-être pu être sauvé, mais je n'étais encore une fois qu'un homme. Quel impact aurais-je pu avoir? Le bateau est prêt, Olof. Je quitte mon équipage et mon bateau. Ce n'est pas par couardise, mais bien par nécessité. Ma maladie m'empêche de diriger correctement ce navire et nous fait partir à la dérive. Le moteur cale. Répare-le dans ce cas. Où en étais-je? Ah oui. Peut-être trouverons-nous autre chose dans un endroit plus sec, plus loin, au sud. Ces sanctuaires situés en Arctique nous ouvriront peut-être leurs portes. Un homme comme moi pourrait leur être utile, même maintenant. Le tuyau de carburant est coupé. Peut-être accueillerons-nous cette nouvelle ère. Qu'est-ce que tu veux dire par coupé? On dirait qu'il a été rongé. Espèce de... Olof se barre avec le canot. Chopez-le! Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a eu des petites dissensions, hein, socialo-économiques. On n'a pas su communiquer dans cette entreprise-là. Mec, viens m'aider. Pourquoi? Ah, t'es en train de te faire péter par un rat. Tiens, chais. Ouais. What? Voilà, c'est fait. C'est déjà le troisième qui m'attaque. Bah, c'est ça de partir explorer sans moi. Mais je suis pas parti explorer, ils étaient en train de te défoncer la gueule. T'as fait le tour de la pièce, tu crois que j'ai pas entendu se faire tabasser par les rats? Alors. J'ai même eu le temps de les compter pendant que tu te faisais tabasser par les rats. Pour info, ils sont à l'étage là, regarde. J'essaie de glitcher un peu. Viens là! Ici, bâtard! Ici! Ici! C'est là que j'en ai buté deux là! Ah, il a l'air stressé un peu là par contre. Eh bien, allons le voir! Il y a une infestation. Il y a des trucs à aller chercher dans. Ah, c'est verrouillé de l'extérieur. De l'intérieur. Bah, des trucs à aller chercher où? Non, j'ai déjà pris la pièce métallique au fond de la piscine. Ouais, tu l'avais laissé, hein, c'est moi qui l'ai piqué. Ah oui, ok, bah viens. Plus réflexe de Jedi, hein. Faut pas m'en vouloir. Faut passer par le côté. Quoi, c'est joli? T'es en train de te fight? C'est bon, je l'ai buté ton rat. Arrête de flipper. Mais clairement, on peut pas prendre le bateau, il y a l'air d'avoir plein de trucs dans les caisses. Si t'as une carte d'accès, t'as pas une carte d'accès sur toi? Tiens, je t'ai ouvert la porte parce que t'es trop nul. Non, j'ai pas la carte d'accès. Mais du coup, je vais rien récupérer de ce qu'il y avait dehors. On va récupérer ce qu'il y a dehors. Carte numérique à 4 chiffres. Ah bah tiens, ça je te laisse la prendre. Cool. Ah, mais ça c'est pour l'aventure, ça va être les coordonnées suivantes, non? Non, c'est pour le coffre. Ah ouais, tout à fait, c'est pour le coffre, du coup. Je te laisse checker sur le ponton ce qu'il y a, je vais aller déverrouiller le coffre. Ouais. Ah, mais je suis plein de conneries, plein de conneries. Oh, la caisse! Oh, un lingot! Mec, j'ai eu un lingot en métal et un boulon. Ah, alléluia! C'est toujours cool. Toujours cool. Par contre, j'ai plus de flotte. Le coffre, c'est chambre 3, je crois. Ouais, chambre 3. Par contre, j'ai plus de flotte du tout. What? Par contre, y'a un rat qui est venu squatter chambre 3. Je pense que ça repop. Non, je pense qu'il se déplace en fonction des éléments que tu trouves, c'est tout. J'ai reçu des fils électroniques, une note et une note. Tu pourrais me filer un peu d'eau, s'il te plaît, ou pas? Bah, je peux pas, j'ai plus d'eau. De toute façon, je te rassure, je vais lire ces notes et après, on va s'occuper de ça. Donc, j'ai deux notes, c'est ça? Les cités
Ah, les cités du grand jeu. Regarde ton journal pour le coup. On dirait presque les petits logos que j'utilise pour faire les cités dans Héros et Chaos. Les cités du grand bleu. Le coût de réalisation du projet a été qualifié de à la limite de la criminalité et sa portée pour le moins scandaleuse. Malgré l'opposition très vive, le projet de ville flottante ne semble pas prêt de ralentir de sitôt. Dans sa dernière intervention, le médiateur Olof Wikström déclare: Nous sommes pleinement conscients de la gravité de la situation et de la pression que cela exerce sur la population en ces temps difficiles. Néanmoins, avec l'abandon des projets reformation, nos options sont de plus en plus limitées. Maintenant, soit nous collaborons, soit nous rejoignons Stockholm, la tête sous l'eau. Donc soit nous collaborons, soit nous rejoignons Stockholm la tête sous l'eau. Monsieur Wikström n'a fait aucun commentaire lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs planant sur la modification de son yacht personnel lorsque nous avons essayé d'en savoir plus sur les photos satellites d'une autre ville flottante trouvée près de l'océan Indien. Monsieur Wikström a choisi de mettre fin à l'entretien. Plus tard, nous avons contacté une source anonyme qui nous a permis de confirmer cette information. Travelog, avec la Captain Signature. 128, nous avons quitté Soderlage. Ouais, c'est mieux comme ça. Sodertalj. Pendant la nuit, l'un des hommes, Jens, avait déjà cassé le caisson avant que l'autorité du poste s'en aperçoive. 14,8. Ah ouais, je voyais même pas les points. Pour l'instant, le voyage se passe dans le calme. J'ai demandé aux membres de l'équipage de faire un bilan de nos provisions et il s'avère qu'Olof a vraiment géré ça comme un con. Nous devons atteindre le rivage et nous réapprovisionner. 20,08. L'équipage s'est montré un peu trop entreprenant avec les filles d'Olof. Ça n'a pas eu l'air de plaire au grand gaillard. On m'a demandé d'intervenir comme si c'était mon boulot. On devrait bientôt atteindre la côte. 6,9. Aucun signe de terre ferme pour le moment. Le niveau de l'eau est sûrement monté beaucoup plus haut que prévu. Pas de réponse à la radio non plus. Casper m'a dit que les fruits n'étaient plus de première jeunesse et que la viande avait une drôle de tête. 14,9. Olof s'est disputé avec l'un des hommes au sujet de Anne. Apparemment, il l'a surpris en train d'essayer de constituer des réserves chez les femmes. Célor lui a foutu une bonne raclée. Nous devrons bientôt amarrer pour nous dégourdir les jambes et remettre de l'ordre dans cet équipage de bras cassés. Voilà, alors voilà ce qui nous offre déjà un épisode de 22 minutes absolument incroyable et ce qui nous permet de faire une pause pour nous ravitailler en eau, tout ça, et en caféine aussi au passage. Des bisous. Des bisous, Shinai. Shinai, des bisous. Des bisous.